Ouais, merci beaucoup. Donc, la deuxième édition du Festival alimentaire qui aura lieu du 8 au 11 novembre au Palais de la Culture et de la Jeunesse Jean-Pierre Guengané aura beaucoup d'innovations. La première innovation, c'est l'espace enfant. Donc, nous allons avoir un espace enfant avec performance dessin où les enfants vont faire des ateliers, du théâtre, vont dessiner, vont voir des films et dessiner ce qu'ils sentent sur les questions de souveraineté alimentaire, agroécologie, etc. Deuxième innovation, c'est la décentralisation du festival. Cette année, le festival va être décentralisé dans trois villes de l'intérieur du pays, à Tinkorogo le 16 novembre, Pupela le 17 novembre et Moktedo le 18 novembre. Autre innovation aussi de taille, on peut dire que c'est le renforcement de l'exposition vente des produits d'agroécologie. À la première édition, on était à une vingtaine de stands. Cette année, on passe à plus de 50 stands et on aura vraiment une gamme très variée d'exposants sur les questions de bio. Autre innovation de taille, c'est la caravane dans les lycées et collèges. Donc, 5 établissements seront visités par la caravane alimentaire cette année du 6 novembre au 10 novembre sous la houlette d'un partenaire qui s'appelle Résas Zodo Action. Mais c'est un festival qui fait la promotion donc de systèmes alimentaires durables et sains. C'est l'alimentation saine, c'est l'agroécologie, c'est le foncier responsable, le foncier qui met l'homme au centre de tout. Voilà un peu les objectifs de ce festival-là, qui veut donc faire la promotion de l'agroécologie, de l'agriculture familiale, c'est très important aussi à signaler. Nous espérons attendre des milliers de festivaliers, voilà. Mais nous comptons surtout attendre des centaines du public cible visé. Le public cible visé, c'est les enfants, les jeunes, les étudiants, ouais, ceux qui portent notre avenir là. On souhaite que des centaines d'entre eux viennent parce que c'est eux qu'on veut changer pour pouvoir impacter demain.